Eh bien salut à tous les amis, c'est Phoenix Gaming, j'espère que vous avez la forme, moi c'est super, je vous retrouve sur Skyrim. Eh oui, Skyrim a été refait par Bethesda, ils ont refait leur jeu qui date d'il y a un certain temps quand même. Et je n'ai encore jamais lancé le jeu, enfin juste une fois et pour voir s'il marchait, donc là sur le menu principal. Et donc c'est la nouvelle version de Skyrim, ils ont pas refait le jeu entièrement mais ils ont retapé les graphismes. Et 2-3 trucs aussi, je sais pas, je me suis pas trop renseigné, j'ai juste regardé les avis sur la page du magasin Steam, et c'est pas bon, hein. Franchement les gens ne sont pas contents de cette version, donc il s'appelle Skyrim Special Edition, qui est au prix de 30 € sur le magasin, et vous l'avez gratuitement, enfin, je pense que c'est ça, parce que moi je l'ai eu gratuitement, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que j'ai acheté la Special Edition de Skyrim avec tous les DLC, comme on peut voir là. Voilà, j'ai tous les DLC, donc ils sont transférés, ça c'est cool. Et mode, il y a aussi un nouveau menu mode. Donc, ok, what the fuck. Ok. Donc les modes sont présents là. Nice. Pas mal, ça on retrouve des vieux modes. Les mieux notés. Il y a des modes que je découvre, celui-là je le connaissais, celui-là, ce mode-là. Ok. Donc quand même moyen de, y a quand même moyen de modder. Need, ça je connais ça aussi. Pas mal, pas mal, pas mal. Sympa le nouveau menu. Bon, faut se connecter hein, pour avoir ce menu-là. Hop, les succès sont désactivés. Ah, ok, d'accord, ok. Bon bah nouveau, hop, c'est parti. Nouvelle sauvegarde. Nous avons jamais lancé ce jeu. Nous allons voir. Oh, petite ombre dans le menu. Incroyable, super. Donc, je vais jouer avec vous pour la première fois à ce nouveau Skyrim, c'est parti, Bethesda Game Studio. Let's go, j'espère que t'as pas fait de la merde. Alors, du coup, si on reprend vite fait ce que les gens, ce que pensent les gens de ce jeu, eh bien, c'est négatif pour la plupart. C'est-à-dire, les gens disent que ce qu'il y a en fait de changer dans ce nouveau Skyrim, ben, tout bêtement, on pouvait l'avoir dans l'ancien Skyrim en modant en fait. Donc là, niveau graphisme, en fait, on peut remarquer qu'il y a des effets de shaders, donc des rayons de soleil, on peut voir de la brume aussi. Voilà. Et niveau graphisme, quand même, bon, les gars, Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous enfin, je avez veux dire, été blessé dans une embuscade des c'est impériaux. assez, Tout comme c'est nous, assez bizarre, ces quoi. voleurs là. Voleur, oui, Voilà. bonjour. Histoire de ciel, Bon, la même début que dans Skyrim normal, hein, bien sûr. Nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, Mais c'est quand même j'aurais dingue. volé ce cheval. Parce que. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous Oui. et moi, nous ne devrions pas être ici. D'accord. Ils sont rares. Ouais. Bon. Nous sommes tous des Ouais, frères, des des jolis sœurs shaders. unis. Silence derrière! Sympathique. Pourquoi il est là? Un peu de respect. Ok. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai haut roi. Ulfric. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui venez d'arriver. Est-ce qu'on peut avoir les sous-titres, s'il vous plaît? Hein? Affichage. Sous-titres et dialogue, sous-titres généraux. Ouais. Non, pas de sous-titres? Bon. Bon bah tant pis. Aucune Ah si, importance. ça y est. Sauvegarde. Dans le petit soleil qu'on voit à peine. Le ciel qui est un peu plus bleu, qui est quand même plus réaliste. En quoi ça vous intéresse? Aussi, si vous voulez Dernière que je fasse une pensée dans petite série. l'Empire. Oh oui, en effet, là par contre, ça va là. Henri Cour. Là c'était stylé, le bout de soleil sur le visage du gars là. C'était sympa. Oh, les arbres sont quand même bien plus jolis. Bon, du coup, si vous voulez faire que je fasse aussi une série sur ce jeu, sur Skyrim, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que pour moi, c'est votre avis en fait. C'est à vous de choisir. Faut que vous me dites dans les commentaires si vous voulez voir une série sur Skyrim ou pas. Il n'y aurait pas des épisodes très souvent, mais ça sera genre un épisode par mois, un truc comme ça, si jamais vous voulez qu'il y ait une série là-dessus. Là aujourd'hui, c'est un épisode pour vous présenter le travail qu'ont fait Bethesda sur la création du rework de Skyrim. Donc oui, en effet, là, on peut voir le soleil qui est vraiment présent. Les ombres sont faites. Des ombres, les effets de soleil, tout ça. Ça fait quand même du bien de retourner un peu dans Skyrim.
après tout ce temps que j'ai... Enfin, j'ai même pas touché à ce jeu depuis longtemps, quoi. Ouais, donc 30€ la rework, pour ceux qui veulent l'acheter. Je pense que si vous achetez l'édition légendaire de Skyrim avec tous les DLC, donc le Skyrim normal, hein, je pense pas que vous avez le jeu là par contre. Mais si vous n'avez pas Skyrim normal, n'achetez pas celui-là, achetez Skyrim. Surtout ne faites pas la connerie. Parce qu'avec celui-là, vous n'avez pas le nombre de mods que vous avez sur l'autre Skyrim. Parce que si vous voulez modder votre Skyrim, vous avez beaucoup mieux que ça, je pense. Hein. Clairement, vous pouvez faire un truc de dingue. Hein. Niveau des armures, des textures, tout ça. Oh, vous avez vu? Regardez, attendez. Je suis pas sûr de... Ah si! Il y a un focus qui se fait là. Il y a une sorte de brou... Ça se brouille en fait. Ça se trouble. Comme une sorte de focus d'appareil photo, regardez là. Là, le petit bonhomme qui est à côté de sa maison. Si on regarde le Jarl, hop, ça se brouille. Hop. Ça, c'était pas dans Skyrim. Ah bon. Voilà. Mais ça, pareil, hein, ça peut être un élément de mode. Rivebois. Ralof. Et lui? Il va se barrer, on connaît bien la musique, hein. Allez, décède. C'est bon. Je vais récupérer le stuff. Je peux pas me voir. Qui je suis? Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se faire? Ok, résistance au poison. Je vais voir un peu ce que j'ai envie de me faire. Un perso qui est bien sur la magie, en fait. Il peut respirer sous l'eau, ça c'est bien ça. Ok, breton. Excusez-moi pour le téléphone, si je suis pas assez entendu. Il peut se vanter de leur résistance élevée à la magie. Ils utilisent les pouvoirs du dragon pour se protéger des sorts. Ok, bon ça c'est la défense magique. Les bons voleurs. Donc si vous voulez faire une guilde des voleurs, go elfe des bois. Ok. Ok, d'accord. Ah, ils peuvent faire battre des animaux entre eux, ça c'est stylé ça. Les elfes noirs, des talents de dissimulation et de magie. Ils sont naturellement résistants au feu et se servent de leur ancestral pour s'entourer de feu. D'accord. Oh, elfes. Je prendrais bien un elfe noir, tiens. Hop, le corps. Sexe. Elles sont plus jolies les femmes, je crois qu'elles sont plus designées là. Et je vais prendre une meuf prédéterminée, voir pas ce qu'il y a. Oh, il y a moyen de faire des trucs sympas là. Ok, bon, on va se faire une petite meuf. Teint de peau. On va faire une mat. Poids. On va mettre à ça. La tête. Vas-y, je vais la laisser comme ça. Couleur terre, cicatrice. Non, on va pas mettre de cicatrice. Peinture de guerre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on mettrait pas celle-là, elle était sympa là. Celle-là, voilà. Couleur des peintures. Celle-là, je mettrais, voilà. Visage, type de nez. Je mettrais bien le premier là, il a l'air sympa. Ouais, je vais mettre le premier. Hauteur de nez, je vais laisser comme ça. Couleur des joues, ok. Les yeux, forme des yeux. Il y a beaucoup de diversité. Putain, il y a des beaux cils, hein. Wesh. Je vais mettre cela, tiens. Couleur des yeux. Je vais mettre en rouge, c'est bien. Hauteur des yeux. Comme ça. Largeur des yeux, machin. Fond de fard à paupières. Ouais, comme ça c'est bien. Sourcils. Type de sourcils. Bon, je vais laisser les premiers, c'était bien. La bouche. Ça c'est bien. Les cheveux maintenant. Ok. J'essaierai d'installer des mods aussi.
Oui, ça fait Lydia ça un peu. Quand on a des cheveux, on pourra se mettre en... Quelle couleur? Je crois que je vais mettre ce style de cheveux là. Ouais, je vais faire ça. Terminé. Ah, faut trouver un nom. Elena. Pas mal ça, Elena. Hop. On est parti. Vous aussi, vous avez fui votre pays. Les dieux ont vraiment abandonné les elfes noirs. Ah. Capitaine, que fait en haut? Elle ne figure pas sur la liste. Oubliez la liste. Elle va au bio. D'accord, ok. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurons que votre cadavre Dans soit renvoyé. Dans mes anciennes parties de Skyrim, j'avais fait un nordique. Je faisais tout le temps les nordiques. Parce que je sais pas pourquoi, je voulais faire des nordiques tout le temps, H24, tout le temps. Et là, je voulais changer un peu parce que j'aime bien la magie. Donc voilà, ouais, j'ai pris un elfe noir. Comme ça, je vais pouvoir maxer la magie et tout, ça peut être pas mal. Salut les beaux gosses. On va tous crever, hein, salut. Commencer cette guerre, plonger bord de ciel dans le chaos. Ouais. Désormais, l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Ah. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est que ce bruit, dis donc. C'est rien, continuez. Oui, général de Jus. Accordez-leur leur dernier rite. Ouais. Bon, ça fait super plaisir de jouer à ce quand même, par contre. C'est un bonheur. C'est bien en fait que c'est bien qu'on ait un Skyrim plus joli sans avoir besoin de modder, c'est cool. Bon, personnellement, je l'ai gratuit, donc je suis pleinement content de l'avoir. Mais pour ceux qui devraient l'acheter, justement, là, la question bah, se poserait pas. Faut acheter le Skyrim normal, en fait, puis le modder, tout simplement. Sachant qu'il est moins cher, Skyrim normal. Et donc, voilà. Et en sachant que sur des sites moins chers, par exemple G2A ou Instant Gaming, et tout comme ça, vous pouvez avoir Skyrim Legendary Edition. Donc pas celle-là, l'autre édition, c'est Skyrim avec les 3 DLC, vous l'avez pour 14€. Allez, salut. Voilà, donc là, celle-là sur Steam, elle coûte 30€. J'ai pas été voir sur les sites moins chers pour le moment. Je pense pas qu'il y ait encore, parce qu'il est tout récent, il me semble. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Mais c'est récent. Bon, moi je lui gratuit parce que j'ai acheté la Legendary Edition de Skyrim qui me permet d'avoir tous les DLC comme vous avez vu au début, Dragonborn, Airfire et puis c'était quoi déjà? Dengard, voilà. Coucou toi. Sentinelle, que voyez-vous? Salut dragon. Hop là. Un dragon? Comment est-ce possible? Le dragon. Il est pas content. Il est pas content le drag drag. On va se barrer en courant. On va se casser de là. Ouais, vas-y, cours. On peut pas se mettre en troisième personne pour le moment. Jouer avec une manette aussi pour info. Oh putain, merde. Oh. Décédé. Hop. Je me suis cramé le cul. Je cours. Oula, en fait non. Je vais me cacher. Normalement on peut courir dans la ruelle mais je me cache quand même. Hein. Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. D'accord. Occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. On se casse. Moi je me taille. Ouh là voilà, je me casse. Oula. Oula oula, par où je vais, ou par où je vais là. Je suis perdu. Sympathique. Sympathique dragon. Bon, j'attends les deux cons là. On peut drop là? Non on peut pas. Allez. Donc là, on choisit d'aller avec les impériaux, soit avec les sombrages. Moi, j'ai toujours aimé être avec les sombrages. Donc, hop, c'est parti. Les sombrages. C'est parti. Alors,
on va aller récupérer. Bon, il est décédé, mon pote. Hein. Là, tu peux rien faire. C'est foutu pour ton gars. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Et ouais. On est les plus forts. Cette chose était un dragon, comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Ah. Les héros de la fin des temps. Bon, tu me libères là. Ouais. Mieux de partir. T'enlèves mes liens et tout là. Non, tu veux pas. Si ouais. Faire, ouais, voilà. Ah, c'est sympa là, dis donc. On est l'équipement de Gugnard quand vous y êtes. Bon, par contre, les animations, franchement, c'est pas top hein, pour un jeu de cette année là. Mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Bon, l'armure, je la prends pas parce que il va y avoir des gardes après là. On est là, venez nous chercher. Allez, on les entend arriver là. Allez là. Ah, on entend du bruit. Salut. Allez, ne vous arrêtez pas. Ouvrez cette porte. On les attend. On les attend. Il s'est pris de ses coups de hache, lui. Figure faible. C'est pas grave. Tiens. Allez, décède là, allez hop. Oh, j'ai loupé beaucoup. Je voulais l'achever. Oh merde, Ralof, non. Salut. Décède. Bon, je vais dropper ma hache. Je vais tout dropper d'ailleurs. Tac, tac, tac. T'es en culotte. Hop là, la culotte. L'épée, je la prends. Et toi, l'épée, pareil. La clé. Je vais récupérer son stuff. Merde, je peux pas équiper ça. Ils ont refait les textures des corps, non? Il me semble. Ouais. Allez, ah, c'est moi qui dois ouvrir. J'allais dire, vas-y, ouvre la porte, mais non, c'est moi qui ai la clé. Ouais. Allez, on s'en va. Du people. Oh bon. Ça s'est tombé. Venez. Des ombrages. Allez, je vais mettre en troisième personne, tiens. Attends. Allez. Oh la vache. Le slow motion d'une qualité incroyable. Tonneau. Merde, j'ai pas fouillé tout le tonneau. Hop. Il y a une autre potion là, je crois. Voilà, hop. C'est parti. Follow, oui, c'est terminé, on y va. C'est une quête secondaire ramassée dans le tonneau. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors. Il y a un magicien, je crois. Il est mort, le magicien? Pas le magicien, c'est un torsionnaire. Il n'y a rien de spécial sans lui, non? Il y a un sac là. Hop, potion, ça fait du bien de prendre ça. Il y a quoi sur toi? Rien du tout. Rien. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. Laquelle? Celle-là? C'est fermé. Alors attendez, petite ellipse, je reviens. Donc nous dire voilà, excusez-moi pour cette petite ellipse. Donc on allait ouvrir cette petite cage juste là, allons-y. Qu'elle nous explique comment faire, mais je comprends, je sais déjà comment faire. Oui. Oh nice. J'ai ouvert sans péter de crochet, c'est nice, c'est ça. Hop. Tac 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 tac. Et là, le mage. J'ai plus 30 points. Ok. On va s'équiper de cette nouvelle tenue. Hop. Ça, ça dégage. Et ça, ça dégage. Voilà. Et du coup, on va utiliser. On a pris un bouquin, il me semble. Livre. Livre de sort étincelle. 8 dégâts. Bon, on la prend. Déjà appris étincelle. Ah bon. Ah bon. Destruction, flamme, étincelle. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, on pourra le vendre bien. Je pourrais le vendre. Ouais. Du coup, je vais me prendre comme ça. Nickel. C'est super. Oh, il y a le reste de sang sur sa masse et tout.
Ça, je sais pas si ça y était sur le Skyrim d'avance. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Oh, il y a des. Non, on peut, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Souvent, il y a de l'or dans les cadavres. Tiens, voilà. Hop. Allons-y. Oh, c'est stylé, c'est super beau. Ah, il y a du people. Bonsoir. Tu meurs. Ensuite. Je sais pas si ça fait plus mal l'éclair ou les la flamme. On va tester ça. Là il prend ça et l'éclair ça prend. Ah j'ai plus de. J'ai plus de magie. J'ai plus de magie. On va prendre l'épée. Hein. On va prendre l'épée clairement. Arme. Hop. Saleté d'archer. Il va mettre une flèche lui. C'est bon. Il m'énerve à parer lui. Voilà. Ouh. Il s'est pris un sacré. Un sacré coup. Ok. Bon, on peut continuer. Je vais remettre mes sorts de magie. Je crois que je vais faire des. Je vais refaire des favoris. Comme ça, j'aurai pas besoin de. À chaque fois d'aller dans le menu et tout. Allons-y. Je sais pas c'est quoi qui fait le plus mal. 8. Novice. Ça, ça coûte moins cher ça. Je vais prendre que les flammes, tiens. Les flammes coûtent moins cher que les éclairs. Du coup, je garde les flammes. Voilà. Bon, n'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez de cette cette version refaite de Skyrim. Oui, rien par là. Pas dans les commentaires un peu ce que vous en pensez. Bah, ça me tient. Ça me. C'est très important pour moi de savoir ce que vous pensez du jeu. La bourse, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Pourquoi le point est là? C'est bugué, d'accord. C'est étonnant quand même, un bug comme ça c'est chiant ça par contre. Hein? J'avais pas équipé aux deux? Ok. Ça peut arriver. Allez, bourrez! Ah, elles font mal! Elles font mal, dis donc! Ça va, je suis pas empoisonné. Hop! On continue. Est-ce qu'il y a toujours le point perdu là-bas? Non. Très bien. Par contre, je vais peut-être me soigner parce que là. C'est quoi ça? Pendant 60 secondes d'adversaire? Ah! Pas mal ça. Guérison, soin, on va soigner avec ça. Ouais, c'est suffisant, c'est bon. Destruction, voilà. Et ça, c'est quoi? On va activer le sort, voir pour voir ce que ça donne. Ok. Il a pris cher. Il a pris clairement cher le l'ours. Et puis, donc, j'ai une sorte de d'AOE autour de moi. Ils me font des dégâts de zone. Ça m'irait, ça, non? Par où il faut aller par là. Hop. Sortie de la grotte, nous y sommes. Alors, bon bah je pense qu'on va se quitter là. Attendez. Sur ce dragon qui s'en va. Voilà, on va se quitter sur ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette version refaite de Skyrim. Et oui, Evan qui dit trop cool. Voilà. C'est vrai que c'est, ça fait plaisir d'avoir. Pourquoi il y a un point de quête là, devant ma gueule là. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horribilité là? Ah non, c'est bon, ok. Ouais, ouais, faut aller arriver voir, ouais. Ok. Bon, bah moi je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis. J'attends vos retours dans les commentaires. Surtout, dites-moi si vous voulez voir une série sur le jeu. N'hésitez surtout pas à me dire pour savoir si je dois en faire une ou pas. Donc voilà, allez-y, balancez un peu vos. Salut YouTube, dit Evan. Voilà, salut, salut. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'était Fenus Gaming. Allez, à plus, salut.